Bonjour Amel. Alors ce matin, Bonjour. vous êtes accompagné de Nabil, votre jeune frère, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Merci à sans... vous. Pardon? J'ai dit merci à vous. Ah bah c'est un plaisir, c'est un plaisir en tout cas. Alors il y a cet album qui est sorti il y a quand même plus de 2 ans, Oui, Hopes, qui est Hobbs. sur le marché. Il a bien marché? Non, pas tellement. Amel Spring. Il a été mal distribué. Mal Oui. distribué. Alors aujourd'hui, vous réitérez, mais juste avant, peut-être qu'on va écouter un extrait dans quelques instants, mais moi je me rappelle de vous, de votre aventure, et je me rappelle de votre papa qui disait que maintenant qu'elle a fini ses études, elle peut faire de la musique. Et vous étiez Effectivement. diplômé quand même très jeune, à 21 ans, 20 À ans? 21 ans. 21 Oui. ans. Et Et j'ai ma depuis, que licence. faites-vous? Je chante. Depuis, vous chantez? Oui, Tout le temps. R&B. Tout le temps. Tout le temps. C'est Matin, vrai. midi et soir. Comment? Matin, midi et soir, quoi. Voilà. C'est la musique, la musique, la musique. Voilà. C'est un peu ça. C'est ma passion. C'est votre passion. On va écouter d'ailleurs dans pas longtemps un extrait aussi de la nouveauté d'Amel. C'est cette chanson sur les camps, sur l'équipe nationale, voilà. 1, 2, 3, ça ne Ça s'arrête s'arrête pas pas d'ici. ici. Ah bah oui. Ça donne ça, on se retrouve juste après. 1, 2, 3, vive l'Algérie, ça s'arrête pas ici. Tant de vivre, c'est tant d'espoir. 1, 2, 3, où il y a de blé, d'hiver, narali, c'est le rayon du bonheur. يسري في دمي فريقنا قوي فانك صحراوي علمنا في العلالي يبقى ديما يلالي خضرا بيضا الواننا محال نسوك يا بلادنا خضرا بيضا الواننا مهما كان وحصلوا للامام 1 2 3 فيفا لالجيري صح صغير بازيسي طون دو فيف سي طون ديسبوار Et ben voilà, ah, 10 h 30. Et ben, très bien, merci pour l'info. Très bien. Alors vous étiez en train d'écouter Amel Spring. Alors c'était Oui. votre surnom avant. Est-ce que ça a changé d'ailleurs? Est-ce que vous avez changé votre surnom? Non. Non? Toujours Amel Amel Spring? Spring, le printemps. Amel le printemps. Voilà. Et Amel chante aussi l'hiver et le... Oh, quelle était facile celle-là. Est-ce qu'elle chante aussi l'hiver et le reste de l'année? Oui, quatre Oui? saisons. Alors le nouvel album va sortir très très bientôt. Alors, si je ne me trompe pas, c'est dans les prochains jours, hein. Inch'Allah, oui, mais je n'ai pas encore trouvé l'édition. Oui. Alors, mais l'album est déjà pris, il est en boîte. Pas encore. Presque. Presque, oui. Et vous avez ramené avec vous Nabil. Qui est Nabil? Présentez-nous Nabil. Nabil, c'est mon petit frère. Lui aussi, il chante? Non, il chante pas. C'est un footballeur. C'est un footballeur? Oui, passionné de football. Il joue... Tu joues avec quel club, toi? Non, en un sens, je... Dans la rue. Ah, tu Dans la joues dans rue, la dans la rue? rue, Pourquoi tu joues pas dans un club? Ce serait mieux avec un oui. entraîneur, avec un... Oui, cette année, Cette année? Inch'Allah, oui. Alors, t'as quel âge exactement? 15 ans. 15 ans. Ah bah, c'est peut-être l'occasion, oui. C'est peut-être le moment de rentrer. Oui. Si tu veux une carrière professionnelle, mon petit, faudra commencer très tôt. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur. Mais il ressemble Merci. au joueur. C'est qui ton joueur préféré? Comme Zianni Ah bah oui. Ah bah, je... Ouais. Pourquoi je me suis posé la question, tiens? Hein? C'est un peu de la folie tout ça. Alors dites-nous, Amel Spring, Oui. les scènes qui vous ont le plus marqué, c'était où, c'était quand et c'était avec qui? Les scènes. Oui. Bon, j'ai fait des spectacles régionaux. Mais vous dorant. Arze. Pas mal. Pas mal. Oui. Celle qui vous a, la scène qui vous a plus plu? Plus c'est celle de Arze, parce Arze. que j'ai chanté pour les enfants. Vous avez chanté pour vos enfants. Oui. Et vous vous sentez plus proche des enfants. Bien sûr. Alors l'album Hope est bien sûr dans les bacs, toujours et encore.
R&B et pop music, effectivement. Oui. Et puis, il y a également l'album, le nouveau, qui va sortir très bientôt avec 1, 2, 3, ça ne Ça s'arrête s'arrête pas pas ici. ici. Alors, 1, 2, 3 qui a été utilisé à toutes les sauces, mais j'avoue que votre version est très jolie, qu'elle est très, Merci. très belle. Alors, dites-nous, Algérie, Gabon, c'est ce soir, c'est à 22h30, vous allez voir le match? C'est sûr. Pardon? C'est sûr. Ah, vous allez au stade? Non, À la maison? non. Ah, d'accord. Tu vas rester à la maison? Voir le match? Oui. Algérie-Gabon? On est à l'hôtel. Eh bien, très bien. En tout Je cas, trouve l'hôtel. vous êtes à l'hôtel. Eh bien, très bien. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de belles Merci. choses. Bah, c'était l'occasion, on va finir d'ailleurs avec la même chanson. Merci à tous de nous avoir Merci à suivis vous. ce matin dans la matinale. Nous avons parlé littérature dans Libre Service avec Soraya Boudrich, qui, elle, s'est intéressée à un romancier et un spécialiste du polar suédois, Henning Mankell. On a parlé également des Pâques vacances spéciales Ramadan avec Soumaya Zaloueli. Yasmine Chouir s'est intéressée au programme Ramadan avec le retour de Shahar et Hakim Dekar. 6 ans après, et ben voilà, il est de retour. Et puis, Ahmed Spring était là, l'exposition Alger demain avec Hani Djellouli et Faisal Hamoum. Je vous dis tout simplement, bonne journée, comme dirait mon papy, il y a toujours quelqu'un qui vous attend quelque part. Rendez-vous demain à 8h30, 10h, pas 9h30, 10h. Sarius, à demain!